Bonjour, avant de commencer ce JT, l'équipe de Sortir en vidéo voulait vous remercier pour votre fidélité et votre soutien. Pour l'intérêt que vous portez à nos programmes et émissions, c'est avec un grand plaisir que nous allons ensemble suivre et découvrir ce nouveau JT Sortir en vidéo à Toulouse. Mais avant de commencer ce JT, nous allons vous présenter les titres. D'abord, nous allons accorder la première partie pour vous présenter la ville de Toulouse avec une vidéo de présentation. Ensuite, nous vous présenterons les premiers partenaires à rentrer dans Sortir en vidéo de Toulouse. Et enfin, nous allons vous nommer les prochains arrivés, les prochains partenaires de Toulouse. Comme nous l'avons présenté dans les titres précédemment, la première partie de ce journal est dédiée à la ville de Toulouse. Dans un premier temps, nous allons découvrir notre vidéo Sortir en vidéo Toulouse. Ensuite, nous allons vous présenter un extrait vidéo des premiers partenaires du groupe Sortir en vidéo Toulouse. Le groupe Carson City avec The Carson City Ice, snack américain qui se situe à Saint-Cyprien République, qui a rencontré un grand succès sur Facebook ce mois-ci. Donc, bienvenue au dîner à Toulouse. Je m'appelle Tony Bertrand, je suis le gérant de cette affaire. J'ai monté ça avec mon père le patron du Carson City. Ici on mange des hamburgers fait maison. Non, mais bon, si on veut parler un peu nourriture, c'est vrai qu'on vient régulièrement. La viande est plutôt pas mal, donc le burger c'est quand même assez rapide. Après c'est différent, il y a le snack et le restaurant, mais bon, les deux sont une valeur sûre. Ouais, voilà. Non mais franchement c'est très bon et je pense qu'il a tout dit. Avec le restaurant Saloon traditionnel et américain à la Texane, Saint-Cyprien République. Et en même temps, on fait de la restauration. Nous essayons deux qualités, fraîches, rien de congelé. Nous travaillons avec un petit paysan aveyronnais qui produit sa viande. Et on arrive à contenter, je pense, le monde toulousain qui nous connaît. Je fais ça très bien. J'adore faire ça, en fait. Et ça se voit. À vouloir faire, c'est bien, il y a du plein de plaisir. Voilà. Donc je vous invite, si ça vous dit, de venir, de me rencontrer, on pourra discuter. Et leur boutique Antique Shop, Brocante US,
qui se situe aussi à Saint-Cyprien, République. On n'avait pas ça, on n'avait que des lots normaux, on va dire, européens. Donc voilà, vous trouvez ce style de produit chez nous, en T-shirt. Voici un vélo très particulier, puisque c'est un vélo à balancier, qu'on appelle. Donc on ne pédale pas, il y a deux pignons, comme vous pouvez voir, avec une chaîne, et on balance comme ça, comme sur les steppers que vous retrouvez dans les salles d'entretien physique. Les horaires d'ouverture d'Antishop sont de 13h à 20h. Et vous pouvez nous retrouver sur un site internet aussi, antishop.com. Voilà. Vous êtes toujours chez Antishop, où un showroom a été mis en place par West Coast Shopper, France. Et vous trouverez des cotons américains, divers vêtements US. Donc coton flanelle mélangé, t-shirt vintage, des dessins bien particuliers. Et voilà, tout ça depuis peu, depuis 3 semaines, Antishop. Les horaires d'ouverture sont les mêmes que le magasin. C'est 14h, 20h. Voilà. Il y a un site internet, c'est madisonclothingusa.com. L'association Tika Toucan, massage ayurvédique et danse à Toulouse et ses environs. Inspiration. Je vous invite donc à venir ici, à l'Ardenne, dans mon cabinet au 30 Allée des Vitarelles, au 31100 Toulouse, pour venir faire prendre des soins, pour éliminer la fatigue physique et mentale, et pour se libérer du stress donc, et prévenir des maladies. Je vous invite à venir découvrir ces massages qui apportent un grand bien-être, qui détendent profondément, et qui libèrent les mémoires cristallisées dans vos cellules. Donc, ces massages ayurvédiques et puis aussi les soins de magnétisme pranique. Donc, ça détend aussi profondément, ça rééquilibre toutes les énergies. La boulangerie et pâtisserie Gibert, la Ronde des Pins, située à Saint-Cyprien, République, réputée étant une des meilleures sur Toulouse. Je suis le formateur ici dans le laboratoire et dans le fournil, et ma femme, mon épouse, elle tient les vendeuses dans le magasin. Mais l'idéal pour tenir une affaire comme ça, il faut être deux. Donc je suis donc une boulangerie et pâtisserie artisanale. Nous fabriquons ici dans le fournil et dans le laboratoire, et ensuite c'est mis en vente dans mon magasin qui se trouve à proximité, juste à côté. On n'a qu'une cour à traverser et voilà, la mise en vente est faite là-bas. Alors le boulanger cuit le pain le matin et il prépare son pain pour le lendemain qu'il met en chambre de pousse contrôlée. C'est une pièce qui stoppe le pain, la pousse du pain, et au bout d'un certain temps, elle se met à chauffer légèrement. Ce qui fait que le boulanger, en arrivant le matin, le pain est prêt à cuire. Ensuite, côté pâtisserie, je travaille avec des apprentis. Et on fabrique les gâteaux, la viennoiserie, on fait tous les fonds, on fabrique pratiquement tout. Meksushi, restaurant japonais situé dans le quartier des Minimes, où vous pouvez manger des pâtes succulentes faites maison, dont la réputation n'est plus à faire. C'est un restaurant qui a 18 couverts. On fait tous nos makis, nos sushis sont faits à la minute. On a des plateaux tout préparés avec des accompagnements qui vont avec les plateaux. Et aussi on fait de la vente sur place. Comme aujourd'hui, nos clients ont pris du kali thon cuit avocat avec du kali saumon avocat et du kali thon avocat. Voilà, qu'on propose sur des assiettes. Enfin, nous allons vous dévoiler quelques futurs partenaires. Siga Verte, spécialiste de cigarettes électroniques, où vous aurez la véritable explication de son utilisation. Ok, bah c'est tout simple de vous montrer. Donc, vous êtes sur de la cigarette électronique de dernière génération, donc complètement rechargeable. La batterie se recharge sur USB ou sur secteur. Et ensuite, nous mettons du liquide dans le réservoir, tout simplement. Old School Game, boutique dans laquelle vous replongerez dans l'enfance des anciens jeux vidéo. Entre la Game Boy et la Game Gear, la Neo Geo et la Master System, Sega et Nintendo, Mario et Sonic. Des consoles comme ça, j'ai joué quand j'étais plus jeune, donc les années 90. J'ai connu Neo Geo, Super NES, après plus micro-ordinateur, donc avec Amiga, Atari. Et puis là, je découvre donc des consoles rétro, quoi, qui me rappellent des souvenirs.
Voilà. Ça fait toujours quelque chose quand on retrouve ce genre de machine. Et voilà. Et aujourd'hui, voilà, c'est presque l'antiquité, quoi. Mais aussi un amas magnifique, avec plein d'autres surprises, dans lesquelles vous retrouverez des témoignages poignants. Et pour terminer ce JT, rendez-vous à Montpellier, où nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir, ou sortir en vidéo à décider de fêter Halloween. Regardez! Par Christophe du Brasero, restaurant à la cuisine au feu de bois à Lattes, et le Mas du Cheval, lieu de réception extraordinaire, qui vous accueille par ailleurs tous les vendredis soirs pour une soirée que vous ne serez pas prête d'oublier. Un lieu dans lequel il faut se trouver pour terminer sa semaine de travail et qui devient une très grande référence sur Montpellier. Merci d'avoir suivi ce JT spécial Sortir en vidéo à Toulouse et d'avoir fêté Halloween avec nous au Mas du Cheval, et je vous dis à bientôt dans tous nos réseaux sociaux.